بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما بعد دونك aujourd'hui comme la semaine dernière il n'y aura que le cours du tawhid donc inchallah ta'ala a partir de la semaine prochaine je serai en mesure de de faire également le cours de taysir al-alam La semaine dernière, on avait entamé le chapitre, la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna ahbabt. Tu ne guides pas qui tu veux. On avait terminé le chapitre de de l'intercession, et je vous avais dit que je vous questionnerais sur les six catégories d'intercessions qui ont été accordées au prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, qui se porte volontaire pour nous les citer. Mustafa En français Pardon Il y a la grande intercession Non, mais le

Non. Non. Il manque un. Non. Intercéder en faveur de ceux qui sont entrés en enfer pour qu'ils qu en sortent. Taïb. Nous allons voir ce que nous allons faire. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أُبي، عبد الله بن أبي أمية عفوا، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم: قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له اترغب عن مله عبد المطلب فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا. وأن وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إلى في الصحيح Ibn al-Musayyib selon son père. Salaam. Lorsque Abu Talib, qui est l'oncle paternel du prophète, lorsqu'il était sur le lit de mort, le prophète sallallahu wa sallam, est venu à lui et il a trouvé auprès de son oncle Abdullah ibn Abi Umayyah et Abu Jahl, qui sont deux têtes parmi les têtes des polythéistes qui étaient deux têtes parmi les têtes des polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ô oncle, dis la ilaha Allah, une parole qui sera une preuve en ta faveur auprès d'Allah. » Les deux ont dit, « "Faqah la lahu, » c'est-à-dire Abdullah ibn Abi Umayyah et Abu Jahl, ont dit à Abu Talib, « te détournerais-tu de la religion de Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le père de Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a réitéré sa demande et les deux ont réitéré leurs questions, les deux polythéistes. Et la dernière chose qu'a dit Abu Talib est qu'il était selon la religion de Abdul Muttalib. Il a refusé de dire la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je demanderai le pardon pour toi tant que l'on ne me l'interdira pas. Et Allah Azza wa révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surah Al-Tawbah le verset 113, il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander le pardon aux polythéistes même s'ils font partie des proches. Et Allah a révélé au sujet de Abu Talib en s'adressant à son prophète, alayhi wa sallam, tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide celui qui veut et il est le plus connaisseur de celui qui mérite la guider. ترجمة ابن المسيب هو وهو هو سعيد بن المسيب أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين مات بعد التسعين في الصحيح أي صحيح البخاري عن أبيه المسيب صحابي توفي في خلافة عثمان ابن المسيب كي لوغابختار De ce hadith, qui est, est l'un des rapporteurs de ce hadith, qui est, qui est Saïd ibn al-Musayyib, un parmi les grands savants, parmi les tabi'in. Il est mort à plus de 90 ans. Et dans le sahih, c'est-à-dire dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Donc ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, mais il est également rapporté dans le sahih de l'imam muslim. Selon son père, Ibn musayyib ibn al qui rapporte de son père, son père, Al-Musayyib, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est mort pendant le règne de Uthman radiallahu Lorsqu'il était sur le lit de mort, c'est-à-dire lorsque les signes avant-coureurs de la mort était visible sur Abu Talib. Ya'Am am, ammi, am munada mudaf, huzifat minhu al-ya'u wa baqiyat al-kasra dalilan 'alayha. Ya'Am, am, ici le cheikh explique pourquoi est-ce que l'on a une shadda avec une kasra sur le mim car à la base c'est ya ammi. mais le ya a été enlevé et euh, la kasra est resté en guise de, كلمة بالنصب على البدل من لا إله إلا الله. أحاجَّ بتشديد الجيم مفتوحة على الجزم بجواب الأمر من المحاجّة وهي بيان الحجّة، أي أشهد لك بها عند الله. أترغب أتتركُ؟ ملة عبد المطلب هي الشرك وعباده الاصنام ذكره بحجه المشركين انا وجدنا اباءنا على امه فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اي اعاد عليه ما قالته وهي قوله يا عم قل لا اله الا الله واعاد عليه اي اعاد عليه ابو جهل وعبد الله مقالتهما وهي أترغب عن ملة عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب استبدل الراوي بضمير المتكلم ضمير الغائب استقباحا لللفظ المذكور Une parole, c'est-à-dire, ici le chien explique pourquoi est-ce que le mot kalima est mansoub, car c'est un badal de la ilaha Allah. Ahaj c'est-à-dire une parole qui me permettra de témoigner en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa taala et lorsque les polythéistes lui ont dit atar rabu amilati atar rabu signifie délaisserais-tu al muttalib la religion de Abdul Muttalib qui était le shirk et l'adoration des statues et idoles et ceci rappelle euh, ce qu'Allah nous dit parmi les arguments des polythéistes, lorsque le, le polythéisme a été condamné, parmi leurs arguments, Inna ana ala umma. nous avons trouvé nos ancêtres sur cette religion. Et le prophète alayhi wa sallam, a répété sa demande à son oncle dit « La ilaha illallah » et les polythéistes Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayyah également réitéraient euh, leur question qui était une question sous forme de réprimande ou de menace à savoir « Délaisserais-tu la religion de tes ancêtres ?» sachant que cela faisait partie des arguments euh, qui selon eux prouvaient qu'ils devaient rester dans cette religion puis le rapporteur du hadith qui est euh, Al-Musayyib a dit et la dernière parole qu'il est dit il est sur la religion de Abdul Muttalib et ici le cheikh a dit حفظه الله استبدل الراوي بضمير المتكلم ضمير الغائب استقباها للفظ المذكور المسيب رضي الله عنه cite la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit que la dernière des paroles était dernière des paroles d'Abu talib était normalement Si l'on, aurait suivi la logique, ce serait de dire, Fakana akhiru maqal ana ala millati Ibrahim. La dernière parole qu'il est dit, c'est, je suis, je suis la religion de Abdul Muttalib. Mais ici, le rapporteur a dit, huwa ala millati Ibrahim. Ala millati afwan Abdul Muttalib. Ici, le damir, il a été changé au lieu que ce soit un pronom personnel c'est un pronom euh, qui montre une personne il a dit la dernière de ses paroles il est il suit la religion de abdul-muttalib il n'a pas dit je suis pourquoi pour euh, condamner ce fait qu'il a dit pour condamner cette parole à savoir de suivre la religion de abdul Muntalib. au lieu de dire anna il a dit Houa. Est-ce que c'est clair ou pas Non, c'est pas clair. Euh... En gros, pas répéter cette parole. Est... Non, on va donner un exemple. Euh, lorsque tu rapportes une parole de quelqu'un, tu vas dire Il a dit. Je suis la religion de Abdul Muttalib. Je vais dire sa dernière parole est Je suis la religion de Abdul Muttalib. Mais toi, tu vas dire Sa dernière parole est Il suit la religion de Abdul Muttalib. Quand tu dis Il suit, ça, tu, tu changes le pronom Je par Il pour condamner cette parole qu'il a dite. Est-ce que c'est clair ou pas? c'est subtil la وابا ان يقول لا اله الا الله هذا تاكيد لما قبله ما كان للنبي اي ما ينبغي وهو خبر بمعنى النهي اي الى رفضت ديغ لا اله الا الله Et lorsque le... Allah Azzawajal a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alin nabi, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas aux prophètes de, et, aux, et aux croyants de demander le pardon aux polythéistes, même s'ils font partie des proches. Il n'appartient pas. Ceci euh, est un rabat, c'est une information, mais euh, qu'est-ce qui est voulu derrière L'interdiction. المعنى الإجمالي للحديث كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه وفعل من حمايته ما لم يفعله غيره من الناس فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته ومن ذلك انه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الاسلام ليكون خاتمه حياته ليحصل له بذلك الفوز والسعاده وطلب منه ان يقول كلمه التوحيد وعرض عليه المشركون ان يبقى على دين ابائه الذي هو الشرك لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمه من نفي الشرك واخلاص العباده لله وحده واعاد النبي صلى الله عليه وسلم طلب التلفظ بالشهاده من عمه واعاد المشركون المعارضه وصاروا سببا لصده عن الحق وموته على الشرك وعند ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبن له من الله المغفره ما لم يمنع من ذلك فانزل الله المنع من ذلك وبين له ان الهدايه بيد الله يتفضل بها على من يشاء Le sens général de ce hadith Abu Talib protégeait le prophète alayhi wasallam, du mal de son peuple. Et il a protégé le prophète alayhi wasallam, comme personne d'autre ne l'a protégé parmi les humains. Le prophète alayhi wasallam, voulait donc la guider de son oncle. Il l'a donc visité lorsque son oncle tomba malade et qu'il était sur le lit de mort. Il est parti le voir et lui a exposé l'islam afin qu'il l'embrasse et pour que l'islam soit la dernière chose qu'il ait faite dans sa vie afin de pouvoir bénéficier de la réussite et du bonheur dans la vie de l'au-delà. Il a donc demandé à son oncle de dire la parole du Tawhid. Les polythéistes, eux, lui ont proposé et lui ont exposé le fait de rester selon la religion de ses ancêtres, qui était le polythéisme. Car il savait très bien ce que la parole La ilaha signifiait comme négation du shirk et comme, euh, sincérité dans l'adoration d'Allah seul le prophète alayhi wa sallam, a réitéré sa demande à son oncle de prononcer cette, cette attestation. Et les polythéistes ont eux aussi réitéré cette parole contradictoire, à savoir de dire à Abu Talib de rester dans la religion de ses ancêtres, et ils ont été la cause de sa déviation de la vérité. Et ils ont été la cause qu'Abu Talib soit mort dans le polythéisme. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré qu'il demanderait le pardon pour son oncle à Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'on ne lui interdirait pas. Allah azawajal a alors révélé l'interdiction et a expliqué que la guidée est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il l'accorde à qui il veut, car c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui sait le mieux qui mérite cette guidée de celui qui ne la mérite pas. Munasabatul il hadith ililbab, en al-Rasul il, sallallahu alayhi wa sallam la yamliku naf'an liman man huwa aqrabun nasi ilayhi. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Le prophète sallallahu n'a pas le pouvoir d'apporter un bien aux gens qui sont les plus proches de lui. Ceci donc montre la nullité du fait et la fausseté du fait de s'accrocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour obtenir un bien ou être épargné d'un mal, de ce fait de s'accrocher à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore plus faux. Ma yustafadu al-hadith. Awalan jawazu iyadati mushriki ida rugiya ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'autorisation de rendre visite à un malade parmi les polythéistes lorsque l'on espère sa conversion. Thaniyan, wa insan. Deuxièmement, l'effet néfaste des mauvais compagnons et des mauvais amis sur l'être humain. Thalithan, أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأولياء والصالحين وإفراد وإفراد الله بالعبادة وأن المشركين يعرفون معناها. توزيع مل وجدس حديث que la signification de لا إله إلا الله إي دو délaisser l'adoration des statues, des saints,

خامسا ان الاعمال بالخواتيم. Cinquièmement, que les actes sont liés à la fin. ان الاعمال بالخواتيم سيزيامون تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم سيزيامون لانترديكسيون دو دوموندي لو قردون او بوليتييست دو ميم أو دو ليزيمي سابعا بطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضر Septièmement, la fausseté de s'accrocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à autre que lui afin d'obtenir un bien ou d'être épargné d'un mal. Thaminen, ar raddu ala islam abi talib Huitièmement, il y a dans ce hadith la, une réponse à ceux qui prétendent S'est converti à l'islam. 9. Les faits néfastes de suivre aveuglément les ancêtres et les grands de telle sorte que leurs paroles soient considérées comme une preuve à laquelle on retourne. lorsqu'il y a des ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله تعالى وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لو الشابتر De ce qui est rapporté, ce qui est rapporté dans le fait que la cause de la mécréance des fils d'Adam et la cause du délaissement de leur religion est l'exagération vis-à-vis des personnes vertueuses. Et la parole d'Allah Azzawajal, ô gens du livre, n'abusez pas dans votre religion. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويجتنب وهو الغلو في الصالحين. Le contexte de ce chapitre dans le livre du رحمه الله Après avoir expliqué ce que font certains des adorateurs des tombes avec les morts comme polythéisme qui contredit le tawhid, l'auteur a voulu dans ce chapitre montrer les causes qui amènent à cela afin de prendre garde à celle-ci de s'en abstenir et Cette cause est l'exagération a ما جاء أي من الأدلة تركهم بالجار عطفا على المضاف إليه كفر. الغلو هو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله به في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم لا تتعدوا لا تتعدوا ما حدّد الله لكم لا تتعدوا ما حدّ ما حدّد الله لكم فقال النصارى في المسيح وغال اليهود في عزير تركهم al Fosan explique qu'il est majrour car il est martouf à la Car il est mudraf, il est martouf à la kofr. El en arabe qui est le fait de dépasser la limite. Et al-rulo concernant les vertueux, c'est le fait de dépasser la limite en donnant de l'importance Outrepasser à ces vertueux soit par la parole soit par la croyance et dépasser ce qu'Allah Azawajal nous a ordonné de faire vis-à-vis -vis de ces personnes. Fi euh, l'exagération envers les vertueux parmi les prophètes, les saints et autres. Allah Azzawajal dans -Nisa, le verset 171, il dit oh, vous, les gens du livre. Les gens du livre qui sont les juifs et les chrétiens. N'abusez pas dans votre religion. C'est-à-dire, ne dépassez pas les limites qu'Allah a fixées. Les chrétiens ont exagéré à l'égard de, du Messie, Isa alayhi salam, et les juifs ont exagéré à l'égard de Uzair, على لغار عزير المعنى الاجمالي للايه ينهى الله اليهود والنصارى عن تعدي ما حدد الله لهم بان لا يرفعوا المخلوق فوق منزلته التي انزله الله وينزلوه المنزله التي لا تنبغي الا لله le sens general de ce verset Allah عز interdit dans ce verset aux juifs et aux chrétiens de depasser les limites et d'outrepasser les limites qu'Allah azawajel leur a fixées et de ne pas élever des créatures au-dessus de la place qu'Allah leur a accordée et de ne pas donner à ces créatures des places ou une place qui ne peut appartenir qu'à Allah. أن فيها النهي عن الغلو مطلقا فيشمل الغلو في الصالحين والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم تحذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre Il y a dans ce verset une interdiction d'exagérer de façon catégorique et générale. L'interdiction dans ce verset englobe l'exagération vis-à-vis des vertueux. Même si le verset s'adresse aux gens du livre, le jugement, lui, est général et concerne l'ensemble de la communauté afin de mettre en garde de ne pas faire vis-à-vis -vis de leurs prophètes et leurs euh, vertueux ce qu'ont fait les chrétiens vis-à-vis -vis de du messie Isa alayhi et ce qu'ont fait les juifs vis-à-vis -vis de Uzair. Premièrement <'in -t 'in> <t 'in> le retient de ce verset l'interdiction d'exagérer sur les personnes et sur les actes et autres. Il y a dans ce verset une réplique et une réponse aux Juifs et aux chrétiens et à tous ceux qui leur ressemblent dans l'exagération vis-à-vis des personnes et l'exagération dans les actes également. Et tout autre chose qui euh, pourrait être sujet d'exagération. Troisièmement, l'on retient de ce verset l'encouragement à suivre le juste milieu dans la religion et dans tous les autres sujets, et d'être entre les deux extrêmes que sont l'exagération et le laxisme. Quatrièmement, il y a dans ce verset une mise en garde contre le polythéisme, contre ses causes et les moyens ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. بوي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جي الصحيح إلي رابورتي وعبد عبد الله بن عباس كالله ليزاكغي. إن لا الله عز وجل، الـ verse 23 دسوره نوح، إي نزون N'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wud, Soua', Yaruth, Ya'ouk et Nasr. Abdullah ibn Abbas, rah, anhu, a dit, en expliquant ce verset, ce sont les noms d'hommes vertueux qui faisaient partie du peuple de Noé. Lorsqu'ils moururent, le diable a suggérer à leur peuple, le peuple de, de ces cinq personnes vertueuses, de mettre en place des statues dans leurs assises et de nommer ces statues de la même façon que ces cinq hommes vertueux. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait mais ces statues n'étaient pas adorées. Jusqu'à ce que ces personnes meurent. Et que la science fut oubliée, alors ces statues ont été adorées. Et l'imam Qayyim, a dit, plusieurs s'élèves ont dit, lorsqu'ils moururent, c'est-à-dire lorsque ces cinq personnes vertueuses faisant partie du peuple de Noé moururent, ils se sont réunis autour de leur tombe, puis ont euh, sculpté des statues à leur image, puis le temps est passé et ces statues ont été adorées. هو الامام العلامه محمد بن ابي بكر بن ايوب الزرعي الدمشقي تلميذ شيخ الاسلام بن تيميه مات سنه واحد وخمسين وسبعمائه رحمه الله وله مؤلفات مفيده مشهوره الامام ابن القيم كي الامام محمد بن ابي بكر بن ايوب الزرعي الدمشقي للابن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مات في عام 750 دليجير وله العديد من الاعمال estremamente لا تذرن لا تترك عبادتها ولا تذرن ودا الى <سؤال> اخره اي ولا تترك هؤلاء خصوصا فلما هلكوا اي مات اولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا أوحى الشيطان إلى قومهم أي وسوس وألقى إليهم انصبوا بكسر الصاد أنصاب أي أصناما مصورة على صورهم حتى إذا هلك أولئك أي الذين نصبوا ليتذكروا لي برؤيتها أفعال أصحابها فينشطوا على على العبادة فينشطوا على العبادة ونسي العلم أي زالت المعرفة وغلب الجهال

et ne délaissez pas ceci de façon particulière. Les cinq qu'Allah a cités dans Surat An Nuh. Falam C'est-à-dire, lorsqu'ils moururent, lorsque ces vertueux moururent et que leur peuple était attristé, était fortement attristé de leur mort. Le diable est venu, alors, avec ses suggestions diaboliques et leur a dit de euh, mettre en place, d'ériger des statues à l'image de ces personnes vertueuses. <rit> Jusqu'à ce qu'ils moururent, c'est-à-dire ceux qui ont euh, façonné et mis en place ces statues afin de se rappeler euh, les vertueux qui moururent et ceci dans le but de s'encourager dans l'adoration et la science a été oubliée, c'est-à-dire que la science a disparu, et lorsque la science a disparu, que les ignorants se sont propagés, les ignorants qui ne différencient pas entre le polythéisme et le tawhid. Elles ont alors été adorées, c'est-à-dire ces statues qui à la base étaient un rappel pour s'encourager à L'adoration au final, ces statues ont été adorées en dehors d'Allah lorsque le diable a suggéré à ce peuple et leur a dit que vos, vos ancêtres adoraient en réalité ces statues. Al-Man al li ulil-Athar Yufassir ibn Abbasin radiallahu anhu mahadi il aïat al التي ذكر الله التي ذكر الله ان قوم نوح تواصوا بالاستمرار على عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح عليه السلام بعدما نهاهم نبيهم نوح عليه السلام عن الشرك بالله انها في الاصل اسماء رجال صالحين منهم غلوا فيهم بتسوين الشيطان لهم حتى نصبوا صورهم فآل الأمر بهذه الصور إلى أن صارت أصنامًا تعبد من دون الله، وما ذكره ابن القيم هو بمعنى ما ذكره البخاري إلا أنه ذكر أن عكوفهم على قبورهم كان قبل تصويرهم، فهو يضيف إلى ما سبق أن العكوف على القبور سبب لعبادتها أيضًا. le sens général de ce athar. Abdullah ibn Abbas, anhuma, explique ce saint verset de surat Nuh, le verset 23, que les divinités qu'Allah a citées et que le peuple de Nuh adorait, malgré l'interdiction de Nuh salam d'associer à Allah une autre divinité. Abd, Abdullah Ibn Abbas explique qu'à la base, ces cinq divinités sont le nom de cinq hommes vertueux parmi le peuple de Noé, qui ont exagéré à leur égard du fait de l'embellissement du diable, jusqu'à avoir fait des statues à leur image et et plus tard, cela a amené à ce que ces images soient des statues qui ont été adorées en dehors d'Allah. Et ce qu'a cité l'imam ibn Al qayyim est similaire à ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, Abdullah ibn Abbas, sauf que l'imam ibn Al qayyim apporte une information supplémentaire qui est que ils se réunissaient autour de leur tombe avant de les imager, avant de leur donner une image ou euh, de, de, faire des statues à leur image. Ainsi, l'imam le Qayyim euh, apporte une information supplémentaire qui est le fait que le fait de se réunir autour d'une tombe fait partie des causes qui amènent plus tard à ce que cette tombe soit adorée en dehors d'allah le contexte de ce athar d'abdullah ibn abbas dans ce chapitre le contexte est que ce athar d'abdullah ibn abbas anhuma, prouve que l'exagération à l'égard des vertueux

de les adorer en dehors d'Allah et de délaisser la religion totalement. Deuxièmement, on retient de ce hasard, la mise en garde contre le fait de photographier ou d'accrocher des photos, d'autant plus lorsque ce sont des photos ou des images de personnes importantes Troisièmement Il y a dans ce de d'Abdullah ibn Abbas Une mise en garde Contre les ruses du diable Et le fait que le diable Expose le faux Avec l'image du vrai Ou expose le faux Sous l'image du vrai Sous l'image de la vérité Quatrièmement, le retient de ce hasard, la mise en garde contre les innovations et les choses nouvelles, même si l'intention est bonne. Car le peuple auquel appartenaient ces cinq vertueux, pourquoi est-ce qu'ils ont... Euh, ils les ont représentés dans des images et plus tard dans des statues afin de se rappeler ces personnes qui étaient vertueuses pour s'encourager à et se motiver à adorer plus. Donc leur intention au début était était bonne, mais cela ne rend pas légitime l'acte qu'ils ont fait. Cinquièmement, que ceux-ci sont des moyens qui amènent au polythéisme, il est donc obligatoire de prendre garde à celle-ci. Sixièmement, le retient de ce Athar. l'importance de l'existence de la science et l'effet néfaste et le mal qui découle lorsque la science disparaît. Et concernant cela, la disparition de la science a été la cause de la propagation de, du shirk, qui est le pire des péchés que puisse faire un être humain dans cette vie d'ici-bas. Septièmement, que la cause de la disparition de la science est la mort des savants. Car ces vertueux étaient aussi des, des savants. Et leur mort, au fur et à mesure, a fait en sorte que la science disparaisse et que l'ignorance euh, se propage. Thamina, min bi ahlihi min islam Huitièmement, l'interdiction de suivre aveuglément. Et que cela amène ces suiveurs aveuglés à sortir de l'islam. Car ceux qui ont adoré les statues, pourquoi est-ce qu'ils les ont adorés? En suivant leur leurs ancêtres. Or, leurs ancêtres n'ont pas adoré ces statues. C'est pour cela que les chiens parle du taqlid. C'est le diable qui leur a dit que, que vos ancêtres adoraient ces statues. Et eux, comme ils considèrent les faits et gestes de leurs ancêtres comme des preuves et comme un exemple à suivre, eh bien, le simple fait que le diable leur ait dit cela leur a suffi pour, pour le faire. Car leur preuve est ce que font les ancêtres. Ce n'est pas ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, ont ordonné de faire. Ainsi, on ne suit aveuglément aucun être humain, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi C'est le seul que l'on doit suivre aveuglément. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit blanc, c'est blanc. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit noir, c'est noir. On le suit sans condition. Et nous n'avons pas le choix, comme l'a dit Allah Azza wa Il n'appartient pas aux croyants, lorsqu'Allah et son prophète ont ordonné une chose, d'avoir encore le choix vis-à-vis -vis de cet ordre. Et, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel qu'il soit man c'est une personne dont la parole peut être acceptée comme elle peut être rejetée elle est acceptée si elle est conforme au coran et à la sunna et elle est rejetée si elle n'est pas conforme au coran et à la sunna on fait وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك